sur Banzai Live. Petite session Dream, il est 3h du matin, ça fait quelques jours, ça fait peut-être une petite semaine que j'ai pas joué à Dreams et je suis chaud bouillant pour tester les nouvelles tendances. Regardez-moi tout ça là, hop. Ah, il y a des jeux qui apparemment sont en tendance parce que c'est des nouvelles versions d'anciens jeux. Donc là, on a des choses à voir. Oh là 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 là. La 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 la. Alors attends, il y a peut-être une petite sélection pour moi. Je vous recommande de faire le vrai jeu, s'il vous plaît. Non, jamais. Par rapport à mes goûts, hein, on a Duck Hunter, Interactive Drum Kit, Tacker. En ce moment, il y a des trucs qui émergent. Hein, c'est pas le premier truc de construction que je vois. Tout de suite, un petit jeu de voiture, Race Sprint Mountain. Vous vous souvenez de ce jeu de cartes qui était super legit la dernière fois? Puis Dream, de toute façon, c'est tellement du caviar à streamer. Le truc se lance en une seconde. Merci beaucoup à X, Lazy, qui a vos 5 abonnements, ainsi que Lyric Arom qui s'abonne en tant que viewer de l'ombre. Tout de suite, la grosse ZQ. C'est extrêmement beau, hein. Merde, putain, j'ai reset la... Attendez, bougez pas. On va reprendre. Start Race. Le véhicule est même pas fait par le gars, donc il a fait un circuit. C'est parti. Y'a pas de nouveau jeu de boule. J'avoue que la boule, putain, c'est stylé, quoi. Demain après, il y a Christian qui vient et je vais lui montrer la boule, il a kiffé. Mais la physique est parfaitement réaliste. Bon, on avait un checkpoint. Ah, est-ce que les jeux de la Game Jam Banzai ont été mis à jour? Est-ce qu'il n'y a pas un retardataire? Je sais plus si j'ai regardé, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui essaie de se buter à rajouter un level et tout. Bon, en vrai, faut ralentir avant les virages. Quel système de jeu à la con, moi je veux drifter direct. En vrai, son petit décor il est stylé, hein. À une époque, on aurait tué notre grand-mère pour avoir des graphismes comme ça, hein. C'est ça qui est le pire en fait, hein, c'est que y a pas d'aliasing, distance de champ à 100 000 km, 30 fps constant. C'est jouable, il y a de la physique. Non, mais enfin, genre, vous rendez compte à quel point il y a de l'herbe en touffe qui est pas dégueulasse quand tu zoomes. Bon, il y a une musique immonde. Vous rendez compte à quel point on est devenu pourri gâté, quoi. Je suis à fond dans les tutos pour faire TES Angoulême Prologue pour la Next Benjam. Ah yes. Yes, on tire une. Et du coup, faudrait que la prochaine Game Jam soit sur Fargos, mais le but d'une Game Jam, c'est de te surprendre avec le thème, quoi. Ah, le départ de changer la musique, merci. C'est quand même trop bien, Dream, bordel. Pourquoi je streamerais un autre jeu dans ma vie, quoi? Bon, il y a Doom qui sort, j'avoue. Merde. Donc, on était dans les recommandations pour moi, parce qu'il me connaît peut-être un peu. Oh, il y a Duality. Elastic et L1 for left ball, avoid smoke, walls, nanani nanana, highest time wins. C'est en versus. Surtout n'essayons pas, hein, ça pourrait être bien. Exclude this machine. Wow, 4 simulators! Alors on a ça qui a l'air magnifique, ou on a ça qui a l'air. Ah, oh, ils sont tout poilus! Mais il y a Doom sur Dream, c'est vrai. Peut-être déjà Doom Eternal, hein. En fait, ce qui me fait rire, c'est que, de la même façon qu'avec Little Big Planet, on a eu ça, c'est que dans 6 mois, dans un an, quelqu'un va sortir un full remake de Zelda, de MGS2 et tout, avec des moteurs qui ont été créés. Là, on a des démos. Et un jour, en fait, ça va sortir. J'y crois à mort, moi. Par contre, son interface est bien faite, hein. R2 to run, jump, double jump. Encore un double jump! Il faut trouver toutes les friandises qui sont très très bonnes.
L'animation est parfaitement bouclée. En fait, quand tu bourres le stick, il est plutôt pas mal, hein. Bon, par contre, quand tu... Là, par contre, là, c'est du Smurf, hein. Waouh! Mon chat double saute aussi. Dans la vraie vie. Oh, d'ailleurs, putain, je suis vraiment un sac parce que j'ai acheté un arbre à chat. J'ai acheté un arbre à chat en plus en Day One sur Amazon Prime. Genre, et je l'ai pas monté en fait. L'arbre à chat du chat, il est genre dans son carton dans la cuisine. Alors que je voulais débarrasser une étagère pour le mettre, pour qu'il puisse percher. Alors, soit je le mets là, à côté de moi, soit je le mets au fond pour qu'il puisse voir tout le truc. Et je pense que si je le mets là, il sera content et il peut utiliser son siège comme boost. Mais du coup, il faudrait que je vire toutes mes... Enfin, il y a des canettes et des jouets, quoi. Puis il y a Scorpion. Un vrai chat, s'il double jump pas. Ah ouais. En soi, la modélisation là de ce jeu est pas mal. Mais alors, on cherche. Alors, j'ai un coup de patte. Ah ouais, tu peux faire vraiment le chat, quoi. Et ta mère. Ah, c'est des petits poissons au chocolat. C'est mignon tout plein, en fait. Ouais, il y a la lampe de Pixar. Les matériaux, les simulations de matériaux et de lampes. Et la physique dans Dream, c'est tellement stylé. Wow! Putain, j'avais pas pensé. Tiens, tu peux faire des jeux de ouf, du coup. Des jeux de réaction en chaîne zinzin. Bien sûr, hein, il faut surtout pas manger dans sa gamelle. On est un putain de chat de merde, donc on va préférer chercher tout ce qui se bouffe. Il n'est pas la bouffe. Et boire dans l'eau des toilettes, un grand classique. Franchement, là, le même jeu, sauf qu'en fait, tu dois surveiller ton maître, et dès qu'il sort à bouffer, ou qu'il commence à streamer, tu vas chier un coup pour qu'il soit saoulé de changer ta litière, de vider ta litière, pour que ça pue la merde dans toute la maison pendant des heures, Ah, ce bruitage est parfaitement... parfaitement réaliste, hein. Et t'obtiens une vraie simulation en fait, un vrai cat simulator quoi. Ouais, il y a l'Instagram de leur chat, c'est trop mignon. Déjà, je me demande, tu vois, genre, rien que je sais que je suis chiant avec les policies de Dreams pour les publications, mais le fait de pouvoir mettre du texte, ça veut dire que tu peux faire un jeu qui incite au harcèlement de quelqu'un en envoyant son Instagram, en faisant une parodie dégueulasse et. Tu peux vraiment pousser le vice, tu vois. En mettant son Instagram, en incitant des gens qui découvrent ton jeu à aller l'insulter. Et si c'est des gosses qui tombent dessus, tu vois, ça peut partir loin. Les modérateurs de Dreams, ils doivent avoir un putain de taf. Au moins que les modérateurs de Facebook qui expliquent que maintenant... regarde des bébés se faire étrangler pendant des heures et ils sont payés le SMIC. Ça doit tellement faire perdre foi en humanité. Il est tout chou en fait ce jeu. Ce petit chat par contre a bien besoin d'un bain. Putain, il est immonde, on dirait un vieux Yorkshire qui se fait passer pour un chien quoi. Enfin qui se fait passer pour un chat quoi. Ça avait bien le coup de couper la musique de Two Point Hospital pour écouter la même merde. Putain mais il était tellement noir celui-là, je le voyais pas. Bon, il en reste un. Voilà, là. PS4. Je suis sûr, en plus, qu'il a stuffé le truc avec des assets qui sont pas à lui, tu vois, parce que... C'est Dreams, parce que tu peux le faire. Wow, putain, alors là, c'était le slide. Le combo était là, quoi. Ah, mais attends, c'est sûr que c'est... haut, ce truc-là. Oh, il y a un petit BB-8. Il traverse la vide par contre sans pression. Putain, mais attends, mais je suis en train de hober le jeu là. Le double jump était très très efficace. Vous avez trouvé toutes les friandises, bravo!
Et c'est infini? Bon bah ok, en soi c'était mignon. C'est pas une vraie simulation par contre, franchement la boîte était automatique. On va regarder quand même, parce que maintenant c'est bon, je m'en fous. Il y a des jeux, c'est clair. Et les scènes sont magnifiques. Bien fou. Bon, par contre j'aurais peut-être dû repasser la console en résolution parce que... Là je vois un petit peu d'aliasing au loin. Il y a tellement d'effets que du coup la résolution doit être à moins de 1080p. Pendant que ma voisine fait du pogo. Je pense que c'est même assez facile de refaire le pigeon simulator. Le pigeon unknowns battle the grain. Stylé. Et pourtant tu vois il y a des assets assez grossiers, hein. La cascade de loin elle est un peu au pif, hein. Mais alors par contre la compo, pouah. Et le GG. Peut-être lâcher un like. Hyper Puzzle Omega. Ah Cargo Culture, putain je l'ai vu dans une vidéo de le Media Molecule justement. Et les mecs commencent à faire des jeux mon gars, c'est chaud hein. Le petit tutoriel. Ok, donc faut remettre des pipes dans le bon ordre et ça envoie les trucs. Il y a des tas de jeux qui fonctionnent comme ça, hein, comme Pipe Mania, que je prononçais Pipe Mania à mon époque. Et un jeu, alors là par contre c'est pour les anciens, sur Atari ST et Amiga, qui s'appelait Boston Bomb Club. Et c'était un jeu comme ça avec des tuyaux et puis il y avait des bombes qui arrivaient et il y avait des vieux gags, des moustaches et tout, c'était stylé quoi. Ah, ils te mettent l'ordre d'animation. Alors, faut inverser deux pièces. Utiliser rond pour déshighlighter une pièce. Ah, mais c'est vraiment... Ah, mais non, mais du coup, c'est juste un puzzle. Ah oui, mais c'est de la merde. C'est juste de la merde. Bon, après, ça doit être chiant à programmer. Du coup, faut regarder l'animation. Donc la petite bouboule, elle traverse, il y a l'étoile du nord sur la droite. 1, 2, 3, 8, 7. Oui, c'est marrant. En fait, c'est que c'est bien reprogrammé quoi sur ce genre de jeu. Alors, chill beats to stack cargo for a multinational shipping conglomerate to experience the heart-pounding druggery of everyday work. C'est son premier jeu complet. Attention, c'est son premier jeu. Alors, je sais que le jeu est craqué. Hein. Alors. Donc, en gros, regardez comment c'est bien fait. Le style et tout, on dirait même pas du Dreams, là, si je vous disais, genre, on joue à ce jeu-là. Mais comment... Ah, c'est avec L1, ok, d'accord. Je change comme ça, clac, ok, avec L et R. Thank you.
plus ce qu'il faut faire. Ah merde, non, c'est l'inverse. Faut que je fasse des lignes. Vas-y, qui est stylé. En fait, je préférerais avoir un stick analogique. Parce que là, en fait, c'est L1, R1 pour changer de ligne. Et haut et bas. Attendez, si j'ai bien compris le jeu. Oxali qui offre 25 abonnements. Et voilà, et là on va faire un premier stack. Non? Mais enfin, mais attends, mais pourquoi? Mais je me suis buté, merci beaucoup Oxali. Enfin ex-lazy, pardon. Attends, mais là j'ai tout bien fait. Pourquoi je comprends rien au jeu? Mais j'ai fait une colonne à la base. Et en fait ça marchait pas, donc je me suis dit bah c'est des lignes. Et regarde le dispatch vector là, il est en mode... Allez, essayez, dites-moi. Ça, je l'ai vu sur la vidéo de Dunkey. Putain, et du coup, il y a dû y jouer il y a pas longtemps, quoi. Alors, ce fameux jeu-là, Super Alien Buddy, il avait l'air assez, assez bien développé. Pour l'instant, il y a deux levels. Et il y a surtout une cinématique. On n'y avait pas déjà joué. Ah non, je crois que j'y ai joué avec, avec Squirtune. Putain, le jeu, il galère à se loader, quoi. Surtout dites-moi si on l'a déjà fait. Je crois pas, hein. Par débonnaire toast. Non, je crois que c'est quand je l'ai voulu le montrer à Squirtune le jeu. Et Little Big Animation. Et j'ai pu seul. Ah la blase, non. EBI Clingy. Ça, pour l'instant, c'est mieux que No Man's Sky, parce qu'il y a plus de scénar. What are you? Oh, you speak English. Well, that saves me having to guess from 94 billion languages. You're an alien. Whoa. Label me then, sure. I'm a big old alien. I can't believe it. I've never come across one in all my expeditions. I must take notes. You're female? My race doesn't have genders. We don't even have. Oh là là, le mec il a confondu l'identité de genre, quoi. No, it's merci, okay, X-Lazy, c'est trop gentil. So, what brings you to my slice of rocky hell? Il y a du scénar. To be here, actually. My ship suddenly lost fuel and, well, plutôt bien joué d'ailleurs la voix. That's the last thing I can remember.
This might be not question, but do you know if there is anything that resembles fuel on this planet? We sure there is! In fact, we often receive travelers from other worlds. Tu es dégueulasse! They all seem to suffer from horrible tu es un fistule anal! Shortly after. But, if it's fuel looking forward, then there's bound to be some leftover from their ships. There's lots of resources scattered around, come to think of it. So, if you want to discover more than just fuel tanks, j'ai réclamé mes troïdes, pas mes hémorroïdes. Try to think. I'll let you explore on your own, but just like my old space marine buddy Arnie used to say. C'est vrai qu'on dirait un prolapse qu'après. I'll be back. Quand une fille fait un prolapse, ou un mec, si vous le laissez s'échapper, voilà ce qui arrive. Hein. Ça donne naissance à ça. Du coup, j'en avais déjà vu des images de ce jeu. On a un bouton pour courir. J'adore le fait que là le bobbing est activé. Hein. L2 plus R2. Ah oui, ce que t'as. C'est à Resident Evil, genre. Et je crois que ça envoie plus des cure-dents, quoi. En apesanteur, quoi. Donc pour l'instant, on va aller chercher. Quel enfoiré ce bobbing. Bah, tu peux faire un jeu béni, l'aventure, hein, et je pense que ça prendra pas beaucoup de temps. Mais regardez, avec deux assets pourris, genre son rocher qu'il a scalé, qu'il a fait 10 fois, il a créé un petit platformer mais qu'il a contextualisé. Qui est finalement pas beaucoup plus impressionnant que, en termes de gameplay que les trucs avec les vieilles box ou même des trucs de game jam qu'on a fait pour Benzai Live. Mais il a contextualisé son jeu avec du voice acting. Il a pris un modèle ou il a fait un modèle qui a du soin. Il a un peu travaillé sur l'interface. Il a trouvé une petite musique sympa. C'est dit bon, mon truc ça ressemble plus à la planète Mars, donc je vais dire que c'est un astronaute. Là il est bien quoi. Ça fait le café en 2 secondes. Par contre j'étais censé trouver énergie cell. Il m'en faut 50. Text log, audio device, ouais. Bon c'est un gros c'est un jeu à patoune, hein. C'est un gros collectaton. C'est le moment d'ouvrir ses volets comme le. Comme si tu voulais sauter de l'étage, chère voisine. Les vrais se souviennent quand il y a eu une rupture dans le chat entre ceux qui ne pensaient pas que la petite le petit phrasé là façon cirque était dans la musique originale de Benny Hill ou pas, et c'était le cas. Et du coup on a dû bannir la moitié du chat ce jour-là, c'était terrible. Ah mais ça tue. Bon par contre sa map elle est un petit peu faite sans. La lecture du game design est un petit peu aléatoire. To do list, find a source of water. Release the mais le mec s'est buté hein. Build a large alien proof down. C'était un sacrifice remove nécessaire, je suis d'accord, on pouvait pas regarder ces gens-là. Locate survivors. Put on clothes. Oui hein, c'était Bloodborne. Non. Bah écoute,
assez marrant, mais j'ai vu ma dose. Ça, c'est un court métrage. Je le vois souvent passer, donc au bout d'un moment, peut-être le démystifier. Ah ouais. Ouah, le rendu, l'effet d'objectif. L'effet pellicule. C'est plus beau qu'énormément de jeux. Mais bon, il n'y a pas de jeu. Oh, le mec, il a fait un truc de ouf. Cool. Et en plus, comme il s'en bat les couilles de placer sa caméra ailleurs, ça se trouve, les nuages, là, c'est vraiment juste de la paille posée à côté de la caméra, quoi. Mais ça claque de ouf, quoi. Shmup 2D avec ça comme background, mais oui, c'est clair que c'est ouf, quoi. Bon, alors là, on est dans les recommandations pour moi. Donc il y a des trucs, c'est bien, des trucs, ce sera moins bien. Pardon. Animal Pro Skater. Ah, sélectionné par Media Molecule. Je ne l'ai passé dans aucune vidéo. On va prendre cet animal de merde. L'auteur a l'air quand même de beaucoup aimer Kirby 54. Je veux juste jouer au jeu. C'est quoi cette énorme poupée qui est plus grande que toi traîne dans ton truc? Ouais, vas-y, free skater. Alors ça accélère tout seul. Ah mais faut utiliser la... Ah mais attends, mais c'est que ça fonctionnerait presque. Ah oui, il a vraiment refait... Il a vraiment fait du gameplay à Tony Hawk, mais c'est un ouf en fait. J'ai l'impression que les pipes, enfin les modules verticaux bon, il se passe des choses, hein. Le gameplay est pas nul, juste le jeu qui est nul. Ça a l'air vraiment d'être le meilleur jeu. C'est Furry Hawk. J'ai vu la vidéo d'où Tony Hawk vient jouer à Tony Hawk et Jack Black. Wow. Non mais c'est ça, ça c'est le jeu de mes rêves. Et je fais des cauchemars souvent. Ah, le bobbing là, il est vraiment vénère. Wow, non mais non mais... Faites-lui un corps à ce monstre. On peut se baisser carrément. Ouah, j'ai la gerbe de ouf. Ça s'ouvre tout seul, ok.
c'est plus un hommage à Duke Nukem. Okay. Ah, j'ai l'impression que je suis bourré aussi. Et y a rien d'autre ? Mais si, y a cette porte là. Très mal équilibré. Oui. Ça a l'air terrifiant. Non, j'ai l'impression que le jeu il galère là depuis la mise à jour quoi. Le jeu il se lançait un poil plus vite hein. C'est pas moi qu'on voit tout nu là-bas. Alors je peux m'échapper. Je suis dans une prison. Quoi, Mr. Sock? Où ça? Où ça, Mr. Sock? Ah, mais les murs, regarde, ils sont même pas collés, on voit à travers. Il me parle. Quoi? Ah, Mr. Saki may have been watching a little too much Martha Stewart. He got caught inside a tree. Ha ha! No big deal though. Ain't no lucky keeping Mr. Saki. Anyway, Mr. Saki left a little present by the sink. Better go check it out. Il m'a laissé un petit cadeau près de l'évier. Oh, Saki still has a bit of a headache from digging a hole with a head made of a sock. Ooh, it hurt. Anyway, you remember that time you and Mr. Saki pulled the maple syrup scheme at that casino? Woohoo, good times! Attention, Monsieur Soki. Oh, sorry, Saki struck a nerve. He's just trying to make some friendly talk while we escape from prison together. Anyway, next part of Saki's scheme's over by the toilet. Better go flush! Encore une fois, tu as le contexte créé tout de suite du game, quoi. Reste tout loin. Comment ça, c'est pas une vraie prison? Alors il m'a arrêté avant que je suive que j'aille sur ses traces. Ok, peut-être Mr. Saki a appelé des favors pour stager un élaborate faux arrest, forger des documents, lied to your family, erased you from... Certes, voilà, il a dû forger quelques documents. Perfect, okay? Mais effectivement, personne n'est parfait. Listen, what you did, you should be spending the rest of your life behind bars. But Mr. Saki is gonna give you a second chance. Je veux juste rentrer en fait. All right, here's what happens now. You're gonna come spend a few nights with me and Mrs. Saki. We're gonna eat her signature flapjacks. We are gonna have a wonderful time. And then you are gonna go back to your family, a changed man, and put all this behind you. Ok, merci. Woohoo, okay. On va jouer au blackjack, quoi. Time to blast you all out of here. Come find
Je vais enculer le plus gros des sandwichs après. Quelle est la finalité de ce jeu? Où est le jeu d'ailleurs? Ah oui! Ah d'accord, on sort! La 7, on l'a déjà vu hein, d'ailleurs. C'est des bons jeux ça, 4h du mat, c'est les jeux qu'on aime. Il recule tout seul là. Ah bah c'était très bien. Et ouf hein, c'est que le mec il y avait un vrai truc, tu vois, genre il y avait un vrai petit contexte. Ouf. Alors. Use the moon to color the void while creating music. Synthèse. Merci X-Lazy. Mister Soki sur 20. On se souviendra. All X et R2. Le chat est parti maintenant, il s'en fout. Super bien. Trop bien même. Ça me rappelle électroplancton. Kingdom Strategy avec de l'IA. Alors là, je suis très très curieux. Que ça ressemble énormément à l'OPSP, à la cinématique de Lords Mobile. D'ailleurs, qu'est-ce que vous avez préféré entre l'intro Lords Mobile du joueur du grenier qui est sorti aujourd'hui et la mienne? Alors, infanterie. Dragon, Wind. Non, Wind. Ouah, je peux le repousser. Ok, j'achète de l'infanterie. Et des gens. Et là, j'ai plus que 40 d'or. Du coup, attends. Ah là, j'ai spawné de l'infanterie. Utiliser du vent. Pour les pousser en avant. Du coup, j'ai 150. J'achète des chiens. C'est énorme! Et j'ai aussi droit à un dragon mais qui est pas chargé. Et du coup ils sont sur le truc. Mais le jeu est ouf. En plus tu peux jouer en multi. J'ai pas un centaure. Putain, c'est tellement la base mais c'est tellement cool. On l'a défoncé quoi. Trop bien. Putain, mais en multi ça va être stylé. Les gens disent ouais ça ressemble à Age of War.
J'allais cliquer sur un jeu qui avait l'air bien. Ça tape le Nexus. Allez à la sortie. C'est une queue. Mais il n'y a pas de... Alors, il n'y a pas de contrôle de caméra, il n'y a pas de double saut contrairement à tous les jeux. Ah si, c'est... Ah, c'est dur, hein. Lourde. Typiquement les jeux qui vont me faire démonétiser les VOD sur Dream, quoi. Il y a des trucs hein, de PewDiePie et Carl Pilkington, ça je l'ai vu sur une story de François Descrac. Oui François, je regarde tes stories. Super Mario 2D. Alors, comment dire, c'est... Oui, effectivement. Je m'attendais vraiment à ce que la caméra switch. Mais on peut pas dire que c'est... Non mais en plus ça marche trop bien quoi. Non mais tu peux vraiment faire des jeux de ouf quoi. Il y a un concept de dingue hein. Ah mais putain mais il glisse mais en même temps... Le truc, c'est un objet solide. Je suis sûr que je peux les sauter deux par deux, comme ça on est bien. Mais en plus, avec la lumière là, vraiment. Le truc, c'est tellement incrusté dans de la 3D quoi. Putain! Est-ce qu'il l'a fini son putain de jeu? Est-ce qu'il est capable de faire sa propre démo, le gars qui l'a faite? Tout de suite, Need for Speed. Surtout, lâchez un like si vous voulez la deuxième partie. Oh, le jeu, là, les jeux, ils chargent plus lentement que la première. Ah putain, je suis fan de la musique, de la physique de la musique. Putain, ça drift en fait. En appuyant sur triangle, j'ai réussi à resetter le truc, mais mal. Ouais, la physique de la bagnole est assez marrante. Je vis une inspiration de DeLorean. Et franchement, le modèle il est marrant quoi. Le petit bruitage là, il est cool quoi. Ça en multijoueur avec la physique et tout, c'est chaud. Hein. La physique est hyper marrante quoi. Ah, c'est hyper grand quoi. Ah, faut être fort en plus. Pour l'instant c'est une des physiques les plus stylées, même si c'est genre en ligne droite le truc arrive à déraper quoi. En vrai c'est assez marrant. La physique est cool en plus. J'ai absolument pas vu où était la suite mais bon. En vrai moi je suis chaud pour la suite. Hein.
New Evil Survival 2M Zombie. Pourquoi ce jeu il a l'air indé de... One button racing game where you have to keep running until you explode. How long will your car survive? X to turn left. Ah putain, c'est trop bien le gameplay mono-bouton. Vous savez que c'est une vraie science du gameplay, il y a plein de game designers qui se posent des questions sur comment faire du gameplay mono-bouton pour les téléphones, les mamies, tout ça et tout, hein, c'est le futur, hein, les one-button gameplay, c'est... Putain, les merdes, ouais. Je vais acheter un petit Coffee Bean. Oh mais attends, mais c'est roguelike, quoi. C'est stylé, hein. C'est un des gameplays les mieux étudiés. Ah oui, elle va de plus en plus vite. Ah, c'est très marrant, quoi. Aïe, 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 aïe. Putain. Oh, t'as le slow motion. Quand tu récupères un grain de café, quoi. Ah, par contre, ta santé elle descend vite, hein. En fait, vaut mieux gratter à droite qu'à gauche. Parce que sinon, après, t'es foutu, quoi. Et quand tu grattes à droite, en fait, tu peux toujours corriger, tu vois. À 11 km/h, c'est-à-dire la vitesse de course d'un Branlix. Ah oui, du coup maintenant il faut être... Wouhouhou ! Merde, putain. Mais non ! Je voulais vous montrer. Oh, maintenant j'ai le jet engine. Ça coûte 5 étoiles. Pouah ! Mais le jeu... Dans le screenshot, il y avait un gendarme et tout, quoi. Oh, l'addiction, quoi. Il faudrait pouvoir commencer directement un certain level pour que le premier tour soit pas chiant et que tu perdes pas un câble, quoi. Mais franchement, penser à un gameplay mono-bouton sur, surtout sur Dreams, ça permet de passer du temps sur plein d'autres choses, quoi. Notamment l'habillage du jeu, qui est plutôt cool. Merde, c'est relou! Non! Putain, le cinquième tour! Bon, il est très marrant, ce jeu. Gun and Castle! Des flingues du château! Après, genre, putain, regardez, ce jeu, il pourrait être payant, quoi. C'est, ce jeu, il pourrait être gratuit sur l'App Store. Alors, ça reste... la visée qui est pas du tout adaptée à la console, c'est chaud, quand même. Je reste toujours fasciné par les graphismes de Dreams, hein. Oups, toujours ça. La propreté fait que c'est assez...
La propreté du jeu, qui est jamais prise en défaut, fait que c'est toujours assez fascinant à regarder en fait. Y a pas de décor, tu vois, le mec s'en bat les couilles. Je sais plus quand est-ce que c'est l'update PSVR, mais là je ressors le PSVR direct. Hein. Là il y a des chiens. Regarde comment c'est mignon. Enfin pas les chiens mais le bateau là. Attends, tu veux que je fasse quoi du coup? C'est bien ça. Hein. Ça va, il y a un semi-feedback. Hein. Ah merde, ça c'est les triggers. Oui. Ont été établis lors du premier jeu. Lors du premier puzzle. Comme ça qu'on fait du game design, les enfants. Et là, regarde, on dirait pipe et jambes de bois. Là. Pipi et jambes de bois. Ok. Pas mal. Non mais ça c'est un screenshot du jeu. Lava trap. De toute façon les jeux Floor is Lava c'est tout con mais alors quand on voit le pied qu'on a pris sur des trucs comme Cluster Truck. Wouah. Wouah, c'est Indiana Jones. J'aimerais bien voir la gueule qu'il a quoi. Il est encore un peu tout mou quoi. Ouh. C'est pas mal hein. Oh les lumières de Dreams. Une bonne bouille hein le perso. Oh les triggers et tout ils sont stylés hein. Ouh. C'est marrant. On aurait une vraie séquence dans un autre jeu. Waouh. On a une charte à la maison, ouais. Tu as brûlé. Ah oui. Ah merde, putain, faut tout refaire. Bon, par contre, c'est vraiment un jeu indé. Oui, puis en plus sur PS5 il y aura le RTX, hein, donc les jeux seront encore plus beaux. Les jeux seront tous en 4K avec le RTX et le ray tracing. On va chanter, hein. En fait, j'ai pas regardé où est-ce qu'il fallait aller là, j'ai pas fait gaffe. Sur la gauche là. Ah oui, d'accord, il y a une échelle, ah oui. L'écran est un peu sombre. Hein. Ah putain! C'est très marrant. Wawa West 2. Ricardo Milo Simulator. Oh, y'a un mec qui a refait Pepsi Man! Un jeu de merde, mais bon. Et le perso est parfait. Putain, c'est le meilleur Pepsi Man qu'on a jamais fait. Quoi. C'est pas vraiment le gameplay de Pepsi Man, c'est plus le gameplay de Dreams. Et la musique. Ça a presque recréé le jeu, hein. C'est juste... Il y a des jeux qui te font oublier que t'es dans Dreams et d'autres ils te rappellent vraiment la réalité quoi. C'est un peu le Pepsi Man qu'on a à la maison quoi. Work in progress. Zombie animation and gameplay incomplete. Et pourtant déjà 1600 gemmes sur cette... Sur ce Project Manor, The Mute House.
Ouais. Oh là là! Bon, il a pris un modèle qui ressemble à la meuf de Dino Crisis. Regarde. Oh, il a programmé des caméras, la Parasite Eve. Ou la Resident Evil. Non, Parasite Eve. Ah ouais, non mais si, tu te rends compte? Je cherche le bouton pour courir, voilà, merci. Pouah là! Ah ouais, mais ça c'est l'ambiance! On peut pas... It's locked. Oh. Ça veut dire qu'on peut refaire tout, Fantasmagoria. Ah là là, les angles de caméra fixe, c'est tellement bien programmé! Bon là, on comprend rien, mais... Aïe aïe aïe. Ah ouais. Pour l'instant on n'avait pas encore vu hein, ce système de caméra à l'ancienne là. Je me rappelle un jeu mais je sais plus lequel. Oh là là. Ah, mais en plus avec la propreté de Dreams on dirait vraiment du pré-rendu quoi. Ah ouais mais le mec il tient quelque chose là. Quoi ça s'ouvre pas ça? Ah d'accord, rouge ça veut dire qu'on peut y aller. Bon il a juste totalement ripé les zombies mais... Enfin le son des zombies. C'est quoi ce paquet? Une petite clé. Oh ah, c'est ambitieux de ouf. Il n'y en a pas d'autres. Le sol c'est Shining. Ah. Fonctionne tellement de ouf. On peut vraiment faire facilement un petit Resident Evil remake. Hein. Allez sur cette base là. Le système de texte, bah oui, c'est. C'était une limitation parce que le jeu il affichait des décors précalculés, mais là même si les décors sont en temps réel, comme t'as pas forcément le temps de faire des grosses interactions de ouf, tu utilises la même élégance toute mesurée pour faire pour créer ton roleplay, ton gameplay, tu mets juste des textes et là c'est justifié dans la grammaire de un survival horror. Fantastique. Silent Hill Angoulême. Là j'ai récupéré une clé donc est-ce que ça ouvre ça? Je sais pas si j'avais la clé pour le truc rouge ou pas. Présidente Belleville. Wouah, la safe room. Alors, vous avez vu hein, dans les safe rooms de Resident Evil 3, Nemesis pourra venir vous emmerder. C'est vraiment pas gentil. J'ai pris une clé rougeâtre. Ah, les musiques et tout, elles rendent. Hein. Non, mais c'est plus beau que Resident Evil. Enfin, que les jeux de l'époque ou que même les cinématiques des jeux de l'époque. En fait, ce qui est drôle, c'est qu'il y a une espèce de survival, enfin, un jeu avec des caméras comme ça, où tout est en pseudo voxel, c'est avec des espèces de grosses babales. Tout le monde a l'air d'être en ballon. Là, je sais plus comment il s'appelle ce jeu. Il est super indé. Il y en a deux d'ailleurs. Et c'est cette ambiance ballon de baudruche, boule en 3D. Et du coup, en fait, Dream, ça ressemble déjà à ça. Ça ressemblait à ça, quoi. Je sais pas si vous avez le jeu en tête, mais il veut rien dire le jeu. Non, non, je l'ai pas fait en VOD ce jeu. Je l'ai vu dans un top de certains trucs. Ça s'appelle Dear. Non, non, pas Little Big Adventure. Ah, finalement, en fait, c'est faux pour Nemesis dans les safe rooms. Pas quoi faire dans cette salle. Marqué Diane.
Après, un jeu qui est clairement pas fini. Et tu vois, là, rien que le fait de pouvoir éclairer le décor avec ton flingue quand tu tires, ça c'est un truc qui est impossible dans... Ah mais j'ai le... J'ai le briquet, c'est vrai. C'était une mauvaise strade, ok. Peut-être essayer d'aller ouvrir la porte de dehors, mais après on n'était pas monté à l'étage. Hein. T'as vu comment il fonctionne le jeu? On est dedans de ouf. La caméra elle est stressante. Bah je comprends les 1600 gemmes quoi. 1600 gemmes c'est tellement rien quoi. Surpuissance de ce moteur. On était pas encore monté. Extatica le jeu, je sais pas. Je sais pas, il y en a deux. Il y en a clairement deux. Et ça se bute. Il y a un peu de combat et tout. Un peu du sous-jeu d'action d'aventure. Il y a des loups-garous dedans aussi, je crois. Mais vraiment, c'est ambiance. Ça ressemble à ce jeu de baston Ball Z. Extatica et Extatica 2. Certainement, alors. Faire ça tout de suite. Oui, c'est ça. C'est bien Estatica, GG. J'ai fini la démo. Mais c'est magnifique, hein, franchement. Le mec, il peut faire ce qu'il veut, là. Oh, je m'abonne. D'ailleurs, on n'a pas regardé ce qu'il y avait dans nos abonnements.